Jamais 203. Cette maxime, l'opposition guinéenne réunie au sein du collectif pour la finalisation de la transition et de l'alliance pour la démocratie et le progrès, veut en faire sienne. Après le meeting avorté du stade de Bonfi et celui organisé sans anicroche le samedi dernier au stade de Koléa, elle a à nouveau tenu un autre meeting ce samedi 31 mars à l'héliport de Bellevue. Pour, dit-elle, sensibiliser ses militants pour les futures échéances électorales. En l'absence du leader de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, Seloud Alain Diallo, et celui du Parti de l'Espoir et du Développement National, Lansana Kouyaté, tout de hors du pays, en plus des militants de Sidya Touré, patron de l'Union des Forces républicaines, ceux des deux cités précédemment ne se sont pas fait prier pour prendre d'assaut l'héliport de Bellevue, mitoyen aux cases du même quartier. Après le mot de bienvenue, les leaders et chefs par intérim des partis ont communié avec les militants. Foudé Mohamed Souma de la Génération Citoyenne, Mokhtar Diallo des Nouvelles Forces Démocratiques, Djalikatou Diallo du PEDN, Boubacar Silla de l'Union des Forces du Changement ont à leur manière sensibilisé le public de l'héliport de Bellevue. Dans leur speech, ils ont tensé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Luceni Camara, qui, selon leur dire, de connivence avec le chef de l'État, retarderait la tenue des législatives. Donc je voulais vous dire, aujourd'hui les Ivoiriens ont installé leur président et leur assemblée. Les Sénégalais ont élu leur président et ils auront leur assemblée avant la Guinée. Eh bien, il est temps que la Guinée ait son assemblée nationale. Et cette assemblée nationale ne pourra pas faire à toutes les manœuvres qui se passent. Vous savez ce que le gouvernement veut faire? Eh bien, pendant qu'on est en train de manifester, il est en train de dérouler son programme. Et au moment où tout sera terminé, il nous dira, nous à la porte, il nous dira, il faudra tout ce que l'ADP et le collectif euro. Eh bien, personne ne va nous enfariner. La CENI doit être remplacée maintenant. Nous ne voulons plus de s'arrêter. Nous ne voulons plus attendre que le gouvernement ait fini de ficeler son fichier pour nous dire « Ok, on va faire ce que l'opposition veut. » Nous refuserons toutes les manœuvres politiciennes. Et je voulais, avant que vous ne receviez le prochain, que l'on dise « À bas la CENI !» Eh bien, je vous demande, attends que le prochain interlocuteur ne vienne, on va crier ensemble « Liberté, 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 liberté !» Les élections législatives, il fait semblant, il fait croire aux jeunes que c'est l'opposition qui ne veut pas qu'il y ait des élections. C'est faux! La Constitution avait dit élection législative dans les 6 mois après l'adoption de la Constitution. Est-ce qu'ils ont organisé? Non! Nous avons organisé des élections. Est-ce qu'ils ont organisé? Non! C'est pour dire que Enaoulé Nahouma. Mais Moulé Baragnon. Pour vous montrer que le pouvoir ne veut pas qu'il y ait des élections, le budget OCNT n'a pas prévu, la loi de finances n'a pas prévu le budget électoral. Ça montre que Alpha Mouam élection à Rabat. C'est faux, il ne veut pas qu'il y ait des élections. C'est pourquoi mobilisons-nous encore une fois. Et soyez vigilants, parce qu'ils vont vous distribuer de l'argent, ils vont dire des jeunes, des femmes. Je ne sais pas pourquoi, ils vont vous donner du oui, ils vont donner de l'argent, mais c'est pour confisquer la démocratie en Guinée. Refusez cela. Et une dictature en Guinée. Il est en train d'instaurer le communisme en Guinée. Il a dit qu'on ne doit plus faire le commerce. Il a interdit aux gens de vendre leurs biens. Et demain, ce qu'il va faire, c'est quoi? Après qu'il ait nommé des maires, il nomme des maires, il a nommé des chefs de quartier, demain, il va nommer des chefs de carrefour.
après demain, ils vont nommer des chefs de famille. Et pour vous dire encore une fois que c'est un dictateur. Est-ce que vous allez accepter la dictature en Guinée? Non, 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 non. Et encore une fois, la Guinée, ce n'est pas des problèmes ethniques. Il n'y a pas de problème entre les forestiers, les malinqués, les peuls, les soussous. Toutes les ethnies vivent en harmonie depuis des siècles, vous voyez? Donc, le problème, c'est quoi? C'est que Amanomane. Quand Anoma, Alpha Manomaka, alors il n'a qu'à démissionner. Pour finir, comme il viole les droits humains, comme il nous a affamés, comme il nous empêche d'exercer nos droits et comme il ne peut pas amener la Guinée vers l'unité, il nous divise, il nous affame, il nous corrompt, etc., etc. Donc il n'a qu'à partir qu'à. Vive la démocratie! Vive l'unité nationale! La Guinée est une famille. Je vous remercie. Nous savons tous aujourd'hui comment nous vivons dans ce pays
les difficultés que nous rencontrons, le manque d'emploi, leurs familles, leurs enfants. Vous connaissez tous les problèmes d'eau et d'électricité. Vous connaissez tous les problèmes d'insécurité. Et à tout cela vient se greffer les risques d'une fraude généralisée qui risque de caractériser les prochaines élections législatives si on ne se lève pas. C'est pour ça que nous devons rester mobilisés. Nous devons dire non à une nouvelle dictature dans ce pays. Nous devons dire non à la misère. C'est pour cette raison, au fait des positions que nous avons adoptées et que nous allons partager avec vous, car notre seul souhait aujourd'hui, c'est le bonheur du peuple de Guinée. Nous allons céder la parole à nos citoyens pour qu'ils puissent nous passer de l'ADP et du collectif, et aussi le message de l'opposition guinéenne, et que le message donc, que nous destinons à tout le peuple de Guinée. Je vous remercie. Après eux, Sidia Touré, avec le franc-parler qu'on lui connaît, s'est prêté au même exercice que ses prédécesseurs. Chers sœurs, chers amis de l'opposition, je crois que c'est une bonne démonstration de votre capacité à vous mobiliser. Nous avons démontré que nous pouvons mobiliser nos populations, les Guinéens, pour venir dénoncer le hold-up électoral qu'on veut nous préparer et que nous n'accepterons pas. Est-ce que nous allons accepter le hold-up électoral? Nous sommes là, des gens disent l'opposition manifeste tous les samedis. Vous pensez bien que des gens aussi occupés que nous, aussi responsables que nous, notre volonté ce n'est pas de marcher dans la rue. Notre volonté aurait été aujourd'hui que l'Assemblée nationale ait été mise en place de la manière la plus transparente possible, et que notre pays puisse aller de l'avant, que notre pays puisse créer de l'emploi. Combien d'entre vous ont du travail ici? Parce que tout simplement, pendant les 15 mois, ce gouvernement ne s'est occupé de rien du tout. On nous rend compte que le gouvernement a besoin d'une majorité à l'Assemblée pour pouvoir travailler. Mais à l'heure actuelle, l'Assemblée qui est là, le gouvernement n'a pas la majorité, il a l'unanimité. Et il ne travaille pas. Donc nous avons besoin d'avoir une assemblée. J'ai noté les points sur lesquels aujourd'hui on peut interpeller le gouvernement pendant les 15 mois. On a dit qu'on a distribué les engrais pour les populations. Qu'est-ce qui est sorti dedans? On a dit qu'on va établir les soins médicaux gratuits. Quel est le résultat? On nous a mis des malheureux témoins dans les quartiers. Quel est le résultat? On a dit qu'on va distribuer le riz à 20 000 francs le sac. Quel est le résultat? On nous a dit dernièrement qu'on allait nous donner l'électricité en 6 mois. Quel est le résultat? On a dit qu'on va créer des emplois jeunes pour l'assainissement, pour des tas de choses. Quel est le résultat? On nous a dit ici qu'on va faire les audits et que ceux qui ont volé l'argent de l'État, ils vont rendre l'argent et que l'argent, on va l'utiliser. Quel est le résultat des audits? Qui ont été indiqués dans l'audit, ils sont tous assis à côté de l'enfant. Mais vous savez, la plus grosse escroquerie dans ma préfecture, dans la préfecture de Dauphin, il y a 5 mois, ils sont venus faire la pose d'une première
d'une première pierre pour faire une raffinerie en 6 mois. Mais quand tu vas là-bas aujourd'hui, il n'y a que les agoutis et puis quelques singes qui se promènent. La raffinerie, on ne l'a pas vue. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons mettre en place une assemblée pour contrôler ce gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de manifester pour que cette assemblée soit le reflet de la volonté du peuple de Guinée. Et le peuple de Guinée, c'est vous qui me représentez. Alors voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là. Nous sommes en train de dire que notre pays doit avancer. Pour que notre pays avance, il faut que vous les voyons. Le gouvernement se mette au travail. Il faut que le mensonge finisse. On n'y a fait. Un gros info, un bagun frama, bien quand même. Il va falloir gagner ces données, pas décréer, mais c'est pour tout le monde, en bêlant ces données. Parce que nous, dans la CIA, gouvernement, mais on a ni promesse, on a ni promesse même temps, mon ciment lui est, comme il y a ce qu'on compte, il est, et puis pour la voir, comme ça, de la vie. Il faut que ce gouvernement puisse être correctement contrôlé et que nous gagnions les élections législatives, mais également prochainement les élections présidentielles. Tous les pays à côté ont fini les législatives. On a fini en Côte d'Ivoire, on a fini au Niger, on a fini, on va finir au Sénégal. Même le Mali qui est dans des problèmes, ils vont finir de résoudre ça avant que nous on finisse nos législatives. Parce que pour nous, c'est basé sur le mensonge. Là où je vous parle, on a donné 500 millions aux femmes dans la région de la Haute-Guinée, du côté de Sigri, pour commencer le recensement et non pas la vie. Donc ceux qui veulent provoquer les Guinéens en auront pour leurs frères. Nous vous demandons de rester mobilisés. Nous vous demandons d'être vigilants. Nous vous demandons de ne pas accepter la fraude électorale parce que c'est la porte ouverte au désordre. C'est la porte ouverte à la pauvreté. C'est la porte ouverte à ce que notre pays s'enfonce dans la misère. Nous n'accepterons pas cela. Nous allons nous mobiliser et dans les jours à venir, nous allons vous dire quelle est la prochaine destination des manifestations de l'opposition. Vive la paix et la tranquillité. Vive l'opposition. Vive nous-mêmes. À la fin du meeting, des militants se sont prononcés au micro de Guinée News. Et la vérité, je crois, tout le monde l'a vu du côté de l'opposition. Je demanderai au peuple de Guinée de maintenir la pression pour obtenir des élections libres et transparentes pour le bien de tout le peuple de Guinée. Je suis Madame Marie-Antoine Diakité, UFDG. C'est bien passé quand même parce qu'il n'y a pas d'incident, mais ça a été bien passé quand même. Je suis très content et c'est bien comme ça. Ça, c'est la démocratie. Même il dit interdit, nous, on va venir. Parce que nous aussi, on suit notre les leaders. Donc, c'est Abou Lesouma. Qui est... Donc,
Non, on n'a pas peur. Hein. On n'a pas peur. On a vu tout ce qui pousse ça aussi. On était au stade le 28 septembre. C'est ce qu'on a vu là-bas aussi. On n'a pas peur. Nous, on n'a plus peur. Hein. C'est fini ça. La peur, c'est terminé. Okay. C'est quand on est avec un homme normal, on peut dire, bon, on peut hésiter. Mais quand on a affaire à quelqu'un qui croit que le peuple de Guinée, c'est des sauvages, ça, c'est fini ça. C'est terminé. Et vous avez vu le meeting d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut comparer ça aux deux meetings qu'ils ont eu à faire ici, hein? Ils ont mobilisé des véhicules, de l'argent, ils n'ont pas pu avoir du monde. Ça signifie beaucoup. Mais il doit réfléchir, lui, avec tout ce qui l'entoure. Il faut qu'il cesse de mentir, parce qu'on en a marre. Ce n'est pas avec le mensonge qu'on peut développer un pays. On va se mobiliser pour toutes les autres étapes de l'UFDG. Je suis responsable de l'implantation au niveau exécutif.